Yo tout le monde, c'est XGaming et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui sur cette vidéo, on se retrouve sur Dynamic Soccer. Donc on continue le Let's Play sur Dynamic Soccer, encore en Division Elite parce que j'ai perdu la Division Elite précédemment. Et du coup, voilà, ça explique pourquoi je suis en semaine 2 comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc avant de faire le match contre Napoli, je vais quand même vous montrer l'équipe que j'ai faite. Donc c'est une hybride, hein, comme vous pouvez voir le nom de l'équipe, voilà. Donc c'est quand même une équipe plutôt bonne, hein. Voilà, franchement c'est quand même une bonne équipe, voilà. Je gagne souvent des matchs, donc même si la division élite que j'ai fait précédemment, je l'ai perdue, voilà, parce que le Real Madrid avait quoi, 2 points de plus que moi. Après c'est pas grave, de toute façon le let's play, franchement c'est pratiquement fait à l'arrache, donc bon bref, hein, voilà, on s'en fout. Donc déjà c'est une hybride, hein, voilà, je vous l'ai dit. En gauche, j'ai mis De Rea pour qu'il y ait une cohésion avec les deux défenseurs centraux qui sont Gérard Piqué et Sergio Ramos, voilà, qui sont deux Espagnols. Et du coup, vu que David De Rea, c'est un Espagnol, j'ai mis David De Rea aussi, hein, parce que lui aussi était Espagnol, excusez-moi. Et du coup, ça fait une cohésion entre les trois joueurs. En milieu gauche, en défenseur gauche, pardon, je me suis trompé, j'ai mis Marcelo pour qu'il y ait une cohésion avec Ramos, hein, voilà, très bonne cohésion, avec Piqué, pardon. De toute façon, eux deux jouent dans la Liga BBVA. Même, je pourrais même changer les deux, mais après ça change rien. C'est juste qu'il y a plus de cohésion avec Marcelo qu'avec Piqué. Enfin voilà, bref. En défenseur droit, j'ai mis Philippe Lahm parce qu'il est très bon et pour qu'il y ait aussi une cohésion avec Aaron Robben que j'ai mis en milieu droit. En milieu gauche, j'ai mis Neymar. Voilà, pour qu'il y ait une cohésion avec Marcelo. De toute façon, eux deux sont brésiliens, mais en plus, ils jouent eux deux en Liga BBVA, ce qui est une cohésion presque parfaite, j'ai envie de dire. Après, j'ai mis Mario Götze pour qu'il y ait une cohésion avec Robben et Philippe Lahm, parce qu'on va pas quand même laisser tout seul Aaron Robben, hein. Même pas laisser tout seul Neymar, hein, voilà. Enfin, même qu'il est tout seul, hein, au milieu. Bref, hein, voilà, on va pas s'attarder sur ce sujet. Maintenant, on va passer aux trois attaquants, excusez-moi, j'ai bugué. Donc déjà, pour l'ailier gauche, j'ai mis Cristiano Ronaldo, hein, voilà, il est numéro 18 parce que, tout simplement, j'avais déjà acheté Robben avant que j'achète Ronaldo, enfin bref, voilà. J'ai mis Ronaldo, j'ai mis Lewandowski, voilà, quand même, c'est pas forcément le meilleur attaquant, mais pour moi il est plutôt bon, il marque souvent des buts, même si Messi, hein, il en marque beaucoup plus que Lewandowski, mais je trouve quand même qu'il est plutôt bon, c'est juste sa rapidité, hein, c'est son seul défaut. Certes il a 80 de rapidité, mais en match, franchement je peux vous dire que ça se voit pas du tout à l'œil nu, hein, voilà. Et puis en ailier droit, voilà, pour finir, je vous l'ai dit, j'ai mis Messi. Voilà, donc là mes remplaçants, enfin ça c'est mes légendes après voilà, d'autres joueurs, bref. Donc sans plus attendre, voilà, on va commencer le match hybride contre Napoli. Donc hybride qui est mon équipe et tout simplement, c'est parti. Ah, c'est mauvais ça c'est pas bon. Bien joué. Non, on a bien, voilà. Heureusement qu'on a David De Rea au goal, hein, même si c'est pas le goal le plus fort. Donc je vous ai pas dit, je suis allé un petit peu trop vite. Je vous laisse les meilleurs moments comme je le fais un petit peu d'habitude. Enfin en tout cas en ce moment j'y mets beaucoup plus de temps pour faire le montage. Et voilà, en tout cas bien joué à Napoli. Donc il faut s'en souvenir, hein, quand même, j'ai perdu quand même contre eux. Donc il faut quand même se méfier. C'est bien ça Ronaldo. Profondeur. Messi. Allez Götze, tu tires, tu marques. Ah dommage. Dommage, donc on va faire le corner. Le corner tout simplement. Donc là, j'ai une petite technique. Peut-être que ça marche avec vous, mais moi ça marche tout le temps. Enfin, souvent en tout cas, 90%. Voilà. C'est en fait je centre au max. Et après, normalement, ça va partir sur 7 et puis non, il n'était pas là. C'est juste que j'ai mal joué et puis tout simplement on continue. Là on a peut-être une action. Ah dommage, j'ai pas vu le défenseur venir sur moi. Allez, on va faire le tug. On va jouer avec le goal. Ah, en plus il y a faute.
En plus, il y a faute pour nous, franchement. GG à De Rea, franchement. Allez, on fait la contre-attaque. Mais si, on va faire un arc-en-ciel. Non, c'est pas un arc-en-ciel que je voulais. Enfin, c'est pas ça que je voulais faire, mais bon. Ah, dommage. Dommage, dommage. Ah, franchement, cette action, elle était plutôt belle. Enfin, voilà. Donc là, normalement, ça va marcher. Hein, voilà. Allez, la tête. Ah, dommage, dommage, dommage. C'est l'autre, tu l'attrapes. Non, dommage. Attention, il y a quand même la contre-attaque, hein, voilà, de Napoli. Ça peut aussi faire très très mal, hein, voilà, il faut se méfier aussi. Non, oh oui. De rien, il me sauve la vie. Hein. Franchement, s'il marque sur ce corner, je vais pas dire que je vais rager. Bah, qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh, non, mais il est sérieux? Bon, j'ai dit que je vais pas rager, donc je vais pas rager. En fait, je me dis qu'ils vont faire un truc qui va tout simplement foutre le bordel, mais en fait, en soi, ils font, je sais, en fait, j'ai pas de mots pour décrire, c'est juste, ouais, bien joué, en fait, hein. Déjà, normalement, j'ai Sergio Ramos, non, c'est qui, même? C'est pas lui, non, pas Ronaldo, j'avais pris Sergio Ramos ou Piqué, là. Et il a pas pris le ballon, c'est dommage. Et en tout cas, j'ai pas envie de perdre sur ce match, parce que si je perds sur ce match, je perds aussi la division élite. Enfin, la division élite. Je risque de perdre la division élite, hein. Voilà. Donc nous, on a corner, moi je fais tout le temps ça, hein. Voilà, je centre. Et puis non, ça a pas marché, enfin bon bref, on s'en fout. De toute façon, on a encore la deuxième mi-temps, hein. Voilà, donc franchement, je suis dégoûté du but. Hein. Je suis franchement dégoûté du but signé par Higuain. Statistiquement, excusez-moi, j'arrive plus à parler. Ils ont largement, que du positif, en tout cas pour Napoli. Donc voilà, ils ont tiré 6 fois, ils ont 5 tirs cadrés. Donc 6 sur 5, c'est déjà pas mal. Moi, j'ai fait quoi? 4 tirs, 3 tirs cadrés, à peu près la même chose. Sauf que moi j'ai eu 3 corners, eux ils en ont eu 2. Donc voilà, après le reste on va pas le faire parce que sinon la vidéo serait trop longue. Tout simplement on va reprendre le match et puis c'est parti. J'espère en tout cas égaliser ou même gagner le match. Hein, voilà. Parce que ouais, j'ai encore le temps, encore 45 minutes et puis c'est parti tout simplement. Oh, c'est bien joué, ça. Oh, mais c'est bien joué. Non, jure Messi, jure sur la vie de ta mère. Bon, là, je m'enflamme un petit peu trop parce que dire jure sur la vie de ta mère, Messi, là, désolé, c'est un petit peu exagéré, mais là, franchement, j'avais trop bien joué, là. En plus, dès les premières minutes de la deuxième mi-temps, c'est franchement dommage. Super, voilà. Allez, Lewandowski, allez, Lewandowski. Oui, oui, Ronaldo, bien joué. Franchement, bien joué, Ronaldo. Juste tir marque. Oui, Ronaldo, enfin. Ronaldo, même si c'est le numéro 18, normalement c'est le numéro 7. C'est juste que j'ai Robben, numéro 7. Et du coup, voilà. Enfin, bref, vous m'avez compris. En tout cas, bien joué à Ronaldo. Heureusement que j'ai Ronaldo dans l'équipe. Hein. Allez, Neymar, t'es quand même plus rapide que. T'es plus rapide que. Et ouais, j'ai pas de solution. Peut-être avec Ronaldo, je sais pas. On va tirer d'ici. Oh, j'ai cru qu'elle était dedans. Oh, si elle serait dedans, franchement, là, j'aurais mis direct Ronaldo capitaine. Hein. Allez, on va encore faire le tug et on va voir si on peut faire faute. Oh, il dribble. Depuis quand il dribble? Non. Bon, de toute façon, il a gâté. Donc, de toute façon, il a juste gâté, tout simplement. Là, je sens que je vais marquer. Je sens que je vais marquer, je sais pas pourquoi. Oh, non, dommage. Mais s'il fallait... Oh, non, en plus, je l'avais fait au bon moment, l'arc-en-ciel. C'est franchement dommage, voilà. Oh, genre à la dernière minute, je vais marquer. Oh, Ronaldo. Oui, Ronaldo. Ronaldo, c'est l'homme du match. Franchement, là, il faut le dire, c'est l'homme du match. À la dernière minute, il marque. Et en plus, c'est lui qui a égalisé le match. Franchement, c'est lui l'homme du match. Ouf.
suis sûr et certain que c'est lui l'homme du match. En tout cas, franchement, ouais, ça va là, je suis serein là, je sais que je gagne le match. Donc, ouais, voilà, l'homme du match, hein, Ronaldo. On peut pas en dire plus, hein, voilà, franchement, ouais. Franchement, j'ai bien fait de mettre Ronaldo dans l'équipe hybride, voilà. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là, même si je crois que c'est une vidéo courte, enfin, je sais pas. Donc, là, pendant ce temps, on est deuxième du classement, voilà, de la division élite, voilà. Enfin, on est égalité avec Tottenham et Real Madrid, hein, voilà. Bon, après, c'est quand même serré, hein, voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter, à partager et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et en tout cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était XGaming, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.